C'est un moment émouvant. Tout est émouvant, les signatures de chartes, bien évidemment, de protocoles aussi. Mais c'est un moment émouvant que celui que nous allons vivre et qui concerne une consécration, une reconnaissance d'un travail depuis de très nombreuses années, d'un travail acharné, d'un travail intelligent, d'un travail de volonté pour la reconnaissance de la profession de psychomotricien, pour la recherche, pour la formation dans leur pays, que les trois personnes assises autour de moi ont mené au Mexique, au Brésil et en Italie. Ce n'est... Pourquoi elle me les inverse ? Ce n'est sûrement pas toujours, ou ce n'a sûrement pas été toujours, un travail facile que celui d'essayer de convaincre. Alors les pouvoirs publics, je ne vais pas les attaquer, surtout pas aujourd'hui, mais lorsque l'on crée, lorsque l'on veut créer une profession, lorsque l'on veut convaincre un État de la nécessité de développer une nouvelle formation qui doit agir pour le bien public, mais qui doit agir aussi dans le cadre de règles publiques, c'est un travail extrêmement difficile. Nous l'avons vécu en France il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de reconnaissance de la psychomotricité, il n'y avait rien. Nous nous sommes lancés, enfin Madame Soubiran, et ses fils et un certain nombre d'anciens élèves et d'autres étudiants d'autres écoles de psychomotricité se sont lancés dans ce combat consistant à essayer de faire reconnaître cette profession nouvelle qui n'existait pas, qui n'était pas connue et qui en 40 ans est devenue légale des autres professions de santé qui, elles, existaient déjà depuis beaucoup plus longtemps. Ce qu'ont fait Begonia Suarez, Béatrice Lorero et Franco Boscaini dans leur pays est absolument remarquable. Sans cesse, ils se sont battus, sans cesse, ils ont formé, sans cesse, ils sont revenus à la charge des pouvoirs publics, des universités, pour que leur profession, notre profession, soit reconnue dans leur pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le plaisir, sur la proposition de Madame Soubiran, de leur remettre à tous les trois un diplôme de professeur honoris causa de l'OIPR. Et nous tenons à les féliciter particulièrement et à leur montrer notre profonde estime, notre profonde admiration pour ce travail. Merci à tous les trois et bravo. Maria Beatriz Lorero, tú vas a pasar del otro lado también.
di Franco Bascaini. Tu puedes pasar de los... Pero no, 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 no beso, no beso, no beso. Bravo. Merci. Tú puedes hacer un beso a las mujeres, pero no. Bravo. Bien. Je peux dire quelque chose, Gérard. Ah, vous pouvez oui. Tous dire quelque chose. On est comme les troubles psychomoteurs, parce que on a reçu avant tout les neurones en miroir, et on espère donc qu'on arrive à activer les vrais neurones de la psychomotricité. Eu quero agradecer especialmente à Madame Subirhan pela honra de me conceder esse diploma, que eu acredito que vai ficar na minha memória o resto da vida. Ela sabe o carinho que eu tenho e foi um prazer sempre estive aqui para aprender com ela. Eu espero continuar aprendendo com os meus colegas. Obrigada.